Je viens de commencer à jaser pas mal. Ouais, elle a découvert ça samedi dernier, qu'elle pouvait faire des sons avec sa bouche. Essayer d'imiter mon frère quand il parlait, là, comme j'avais montré dans le dernier vlog, puis depuis ce temps-là. Si on est avec elle, puis on lui parle, puis elle fait des gros bruits, elle essaie de nous imiter, puis là, ben, elle a commencé à jaser d'elle-même. Trop cute! Un genre de ses petits jouets. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu jeudi le 23 juillet. Ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas parlé. Le dernier vlog que je vous ai mis en ligne, je pense que je vous ai parlé, c'était lundi au retour du camping. Là, j'ai mis en ligne, par exemple, entre les deux, mon vlog colis. Justement, je terminais avec ce chandail, justement. Donc, je filme aussi aujourd'hui. Depuis lundi, ce qui s'est passé, lundi, la nuit du lundi au mardi, ma fille s'est encore réveillée. Donc là, c'est comme la troisième fois qu'elle se réveille, mais c'est quand même pas si pire, là. Donc, elle s'est levée peut-être vers 2h45. Je l'ai allaitée encore là, couchée. À chaque fois que je fais ça, elle se rendort super bien. Puis tu sais, c'est sûr, c'est juste moi qui ai de la misère à se rendormir, mais je finis toujours par me rendormir également. Sinon, la nuit de mardi et cette nuit, elle a fait sa nuit. Sinon, à part ça, mardi, comme je disais, je sais pas si je vous l'avais dit, mais le meilleur ami à mon chum et sa conjointe, Amélie, avec qui je prends souvent des marches et que je vous parle, sont venus passer l'après-midi et souper ici. Ça faisait vraiment longtemps là, qu'on s'était pas vus. Sincèrement, un souper à quatre, là, je me demande si ça faisait pas un an, là, t'sais. Sinon, ben, t'sais, mettons, Félix le voyait tout seul et moi, je voyais Amélie, mettons, marcher, tout ça. Mais c'est vraiment, on s'est peut-être vu en janvier, mais t'sais, ça faisait vraiment longtemps. Donc, ils sont arrivés ici vers 1h, puis c'est ça, t'sais, dans le fond, ah oui, j'ai essayé le fer plat à Amélie. Elle a le... Hey boy, je veux pas dire de mentir, là, mais le Steampod, en tout cas, lui qui a de la vapeur là, quand vous aplatissez, mais ça fait un effet plus volumineux. Puis là, c'est sûr, là, ça fait, tu sais, on est jeudi, là, ça fait déjà 2 jours. Mais en mésophile, ils étaient plat, 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 super doux. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas donné comme fer, là. Sinon, on a été prendre une marche aussi avec ma fille, juste moi et Amélie, les gars jasent ensemble. Sinon, on a joué au washer, on a fait comme 2 parties de washer. On s'est fait du barbecue, c'était vraiment super bon. On s'est fait des brochettes de bœuf. Sinon, on y aura fait des patates farcies. Sinon, on a fait une bonne salade César également. Puis en dessert... J'avais acheté, là, tu sais, les petits gâteaux, là, comme un peu, genre, gâteau des anges, là. Puis là, moi, j'avais été cueillir des fraises, framboises, je veux dire, quand que je vous ai parlé lundi. Donc là, j'ai mis comme une couche crème fouettée, il y avait des framboises par-dessus, puis un petit coulis de sirop d'érable. Et sinon, j'avais acheté aussi du Baileys. Puis, je l'ai mis comme dans mon mousseur à lait. Moi, mon mousseur à lait peut faire chaud, mais froid aussi. Donc, mousseur à lait froid avec de la glace, c'était débile. C'était vraiment, vraiment bon. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pris ça, un Baileys comme ça sur glace. Puis ils sont partis peut-être vers 8h. Tu sais, c'est ça, ils sont fins. Là. Ils nous ont dit, on va arriver de bonne heure, puis on va partir de bonne heure. Comme ça, ben, tu sais, vous allez pouvoir coucher votre fille sans que ça soit, tu sais, des gros changements dans sa routine. Donc, c'est ça. Donc, ça finit tôt. C'était parfait. Puis mercredi, donc hier, mon chum était encore en congé, mais on a vraiment pris ça relax. On a écouté... des séries sur Netflix. Là, on est reparti. En fait, là, on vient de terminer Dynasty. Si vous ne connaissez pas ça, moi, j'adore ça. Calme-toi, ma petite Apple Watch. Ouais, on a écouté Dynasty la saison 3 là, dernièrement. Après ça, on a écouté la série Outer Banks. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté ou pas. C'est assez nouveau là, sur Netflix. C'est une série de 10 épisodes. C'est comme sur un. On recherche un trésor, là, de l'or et tout ça. On l'a écouté en même pas 3 jours. Puis là, on a repris les épisodes de Walking Dead. En fait, on voulait repartir de la saison 1, mais il y a juste en anglais de saison 1 à 7. Mon chum, il veut pas écouter des séries en anglais, il est pas assez bon pour ça, puis non, ça, il aime vraiment pas ça. Moi, ça m'aurait vraiment pas dérangé, mais lui, il voulait pas du tout.
Donc, je pense qu'on a peut-être manqué la saison 7, je vous dirais, mais je suis même pas certaine. Donc, on a commencé, je ne sais pas pourquoi, mais la saison 8 et 9 sont disponibles en français. Donc, on a reparti à la saison 8. Tu sais, des fois, on ne comprenait pas toutes, mais honnêtement, comme je vous dis, je pensais qu'on a juste manqué une saison, puis on comprend quand même où est-ce qu'ils en sont, excusez. Puis, tu sais, les personnages sont tous quand même les mêmes. Puis là, tu sais, on se remémore tranquillement, pas vite. Là. Peut-être qu'on a écouté au moins 4 épisodes hier. Puis on s'est écouté aussi un film sur Netflix. Là. C'était Les Blockers. C'était comme une comédie. Là. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Dans le fond, c'est trois adultes que leurs trois filles sont amies. Puis là, ils s'en vont au bal de fin d'année. Puis là, ils reçoivent les messages textes par... Je pense pas que c'était pas voulu, tout ça. Puis là, ils voient que leur pack, là, c'était de perdre leur virginité au bal, à la fin du bal. Donc là, eux autres, ils veulent empêcher ça, tout ça. En tout cas, c'était vraiment drôle. Donc, ça fait du bien hier, là, pour vrai, là, une petite journée tranquille. Tu sais, je vous dirais que j'avais eu de la visite pas mal tous les jours et fait quelque chose tous les jours depuis vendredi passé. Donc, tu sais, ça a comme fait du bien. Au Costco, justement, je voulais vous montrer, j'ai acheté encore du linge. Et là, Félix, là, il était vraiment dû, là, mais comme vous avez vu, j'en ai acheté en titi du linge. Je peux pas dire là, que maintenant, il n'y en a plus. Là. J'ai acheté et rien de super, là, je vous dirais, là, mais ça s'appelle des Joe Boxer, OK? Au Costco. Il est en spécial, au lieu d'être 15$ pour 3 boxeurs, je pense que je payais 11 ou 12$ pour 3 boxeurs. Mais tu sais, c'est pas des boxeurs cute, là, mais c'est des boxeurs que mon chum met justement pour aller travailler. Mon chum, il a quand même des bonnes cuisses, là. Donc lui, il aime ça, des boxeurs qui descendent un peu plus long, surtout pour travailler, parce que sinon, c'est vraiment pas confortable là, quand ça y rentre dans l'aine parce qu'on court, là. Donc j'ai pris, c'est ça, des boxeurs comme ça. Il y a noir ou gris. Comme je vous dis, c'est en promotion, je pense, jusqu'au 2 août. Il a pris des médiums. Comme je vous dis, il porte du 33. Fait que vous pouvez vous guider à partir de ça. Sinon, il y avait, c'est pas non plus les plus belles shirts, mais il n'y avait plus de shirts de sport. Ou tu sais, juste mettre des shirts pour faire le gazon, mettons. Ou tu sais, aller courir sur le tapis roulant ou des choses comme ça. Il n'y en avait plus. Sincèrement, c'est la compagnie Ed. Il y a souvent ça au Costco, honnêtement. Moi, j'avais comme une camisole d'entraînement qui vient de là, qui est une aide aussi. Puis, j'ai pris des médiums également. J'ai pris noir, puis j'ai pris des bleus. Des shorts bleus, comme ça. Puis, je pense qu'il y avait aussi des grises. Donc, j'en ai pris deux paires parce qu'il était à 8,99 en spécial. Tu sais, c'est n'importe quoi pour des shorts, c'est vraiment pas cher. Donc, c'est ça. Je me suis dit qu'il ne sera pas en manque. Mon chum, c'est un accro au jogging. Je vous dirais qu'il serait toujours en jogging. À chaque fois qu'on revient à la maison, on est du genre à se mettre en pyjama, autant lui que moi. Donc, c'est des aides aussi, mais ce que je trouve, le dessus, premièrement, il n'est pas trop épais. C'est super doux. C'est encore la même compagnie. Puis, ils sont un petit peu plus serrés au bas sans être trop serrés. Elles sont vraiment, vraiment belles, sont confort, puis j'ai aussi pris des médias. Donc, ça dit que c'est comme une genre de taille étroite, là. Assez que mon père, il s'en est pris une paire, il fait « Ah, oh, mon Dieu, ils ont l'air confortables! » eux, ils étaient $19,99 chez Costco, si jamais ça vous tente. Vos chums, on aime bien ça aussi. Des joggings, puis c'est des joggings légers, comme je vous dis, là, pas plein de coton ou pour l'hiver. Là, c'est parfait pour l'été, les soirées d'été. Donc, c'est ça. Il est parti marcher, Abby. Il est content. On est rendu le midi. Il est, ben en fait, il est 1h20. après vous avoir parlé, j'ai eu le temps de m'entraîner. Ça a vraiment bien été avec ma fille. La moitié du temps, elle a été dans son tapis d'éveil comme ça. Puis quand c'est mis à chiner, je l'ai mis dans sa balançoire. Puis sincèrement, là, j'ai pu m'entraîner jusqu'à la fin. Par la suite, mon chum m'a appelé, on s'est jasé un peu.
Aussi, ensuite de ça, je me suis fait un shake. C'était tellement bon, je ne l'ai pas montré, là, mais c'est justement lui que je pense que vous en parlant, mettons, ce matin avec mon old ave smoothie. Là, j'ai fait lui justement avec le Aztec. La cuillère de beurre de peanut. Je me suis fait un scoop de protéines de chez Shop Santé que j'ai choisi. Là, j'avais pris Choco Cadbury. Puis un tiers de banane congelée avec lait d'amande et c'était vraiment bon. Hein? C'était bon? Trop cute. Et j'ai remis ma robe. Qu'on est matchy-matchy! Oui, oui, oui! Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben là, elle s'est mise un peu à chigner tout ça. Donc, donc on était prendre une marche ensemble. Elle a pu faire une grande sieste. J'ai appelé ma mère tout le long de la marche. Puis ensuite, j'ai apporté Abby avec moi dans la salle de bain. J'ai pu prendre ma douche. Et là, ben, je pensais pouvoir dîner. Puis là, ben, finalement, je l'ai allaité. J'ai dû changer la couche. Là, ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long. Donc, pour dîner, en fait, j'ai refait, ben, pas refait, pardon, pas en tout. J'ai réacheté la salade de couscous. Ça va? J'ai réacheté la salade de couscous. J'avais mangé la moitié mardi midi avant que mes amis arrivent. Donc là, je mange l'autre moitié. Je m'étais coupé en fait plus que ça de céleri. Là, c'est juste j'en ai mangé quelques-uns en allaitant. J'ai mis des petits morceaux de fromage Saputo léger comme petite protéine. J'ai avoir des petites carottes. Et j'en avais pas. Mais en fait, j'avais dit que j'avais acheté cette nouvelle trempette-là que j'avais jamais essayée à base de yogourt grec, style maison. Beaucoup moins de calories que les trempettes ordinaires, je vous dirais. Elle ressemble à ça. Elle est tellement bonne, là. Elle est vraiment goûteuse. Puis, il me restait aussi ça. J'avais fait ça comme petite collation d'après-midi aussi mardi quand mes amis étaient venus avec de la salsa. Il en restait vraiment pas beaucoup. Fait que je vais peut-être en prendre quelques-unes juste comme ça. Les multigrains sont vraiment bonnes, juste à manger de même. Donc, c'est ça. Alors, j'écoute la belle Kim Demers en ce moment. Et je vais manger mon petit dîner en compagnie de ma belle amour. Ah, je vous avais dit aussi que c'était super difficile avec elle, là, dernièrement, là. Mais sincèrement, depuis que je suis revenue lundi, là, ça va vraiment mieux. J'ai retrouvé mon beau bébé sourire. J'ai commencé à jaser, à faire des sons dans le vlog, comme dans fin de semaine. Mon frère, il montrait à ouvrir la bouche, puis tout ça, c'était vraiment drôle. Puis à partir de ce moment-là, elle s'est mise à comprendre qu'elle pouvait faire des sons avec sa bouche. Puis elle sait que je suis revenue, puis elle se mettait à jaser des 10-15 minutes, puis elle sait que mon chum était comme « Ben voyons, on a un nouveau bébé. » Donc, je suis vraiment contente, là, t'es en train de tomber dans le trou. Maman va te remonter! Donc, ben voilà, avec ma robe que je vous dis que je match avec ma fille, avec son petit cache-couche plus. Là, les plans, c'est que, comme je vous avais montré, j'avais été cueillir des framboises. J'avais cueilli deux paniers comme ça. C'était 12$ le panier. Je les ai cueillis moi-même. J'ai, dans le fond, quand je suis revenue, le mardi matin, ou non, le lundi soir, j'ai comme pris tout un panier au complet. Je les ai comme, ben c'est pas lavé, là, mais regardé pour être sûr qu'il n'y avait pas de bébites ou de feuilles. Puis j'ai congelé trois, puis ça m'a donné trois pots de yogourt. Que je marque dessus framboise 2020 puis j'ai congèle. Donc des fois pour des recettes de muffins, tout ça l'hiver, tu sais, les framboises, tout ça, c'est vraiment moins beau. Donc j'en congèle ou tu sais pour tout simplement manger comme ça, là, j'aime ça des framboises. C'est vraiment mon fruit préféré, là, honnêtement. Puis c'est ça, dans le fond, j'avais gardé encore ça comme ça plein pour pouvoir en manger comme ça. Depuis lundi qu'on les a, on est rendu jeudi, puis ça, je les trouve de moins en moins belles, là, vraiment. Donc là, ce que je pensais faire, c'est refaire le tri, les nettoyer, puis peut-être me garder un petit pot là, des plus belles, mais le reste, je vais les recongeler. Là, je voulais aussi mettre, j'ai ouvert mon sac de carottes, je vais les mettre dedans. Si vous connaissez pas, là, c'est les plats Tupperware, c'est sûr que vous connaissez ça, là, pour vrai, tout le monde en parle tout le temps. Des fameux plats intellifrais. C'est pour garder plus longtemps vos fruits, vos légumes, là.
Puis sur le côté, tu sais, moi, c'est un vieux, vieux modèle, là, mais en tout cas, bref, faut regarder ici sur le côté. Des fois, c'est faut ouvrir deux verres, des fois une, des fois tout le fermer, puis là, on met le couvercle. Puis, en tout cas, je vous dis, là, ça fait des miracles avec mes fruits et légumes. Je viens de terminer mon budget que je dis que je fais à chaque semaine et tout. Peut-être que vous allez trouver que je suis un peu intense en train de faire mon budget toutes les semaines, mais sachez que je trouve ça vraiment moins important quand on a un projet ou même juste pour voir dans quoi on dépense nos affaires. Je trouve que c'est vraiment pertinent. La façon dont je le fais, en fait, c'est qu'à la fin de l'année, je vais calculer en fait comment j'ai fait. Dépenser en gaz, en épicerie, dans les vêtements, dans chaque aspect là, que j'ai dépensé. Puis, je le divise, mettons, par 52 semaines, puis je vois à peu près combien que ça me fait comme moyenne par semaine à ce moment-là. Et c'est pour ça que je fais mon budget à chaque semaine et que je vais mettre, mettons, tant de sous de côté pour chaque, je pourrais dire, chaque item là, de mon budget. Et c'est ça. Puis je vous dis juste aussi que si jamais vous avez un projet, je sais pas, moi, un achat d'une maison, un voyage, achat d'un bateau, d'un 4 roues, vous avez une rénovation prévue, puis que vous voulez, mettons, faire ça en 2 ans, vous voulez l'accumuler en 1 an, peut-être même 5 ans, dépendamment c'est quoi votre projet. C'est sûr qu'avoir un budget, c'est intéressant parce que si vous faites juste dire « Ah ouais, dans 5 ans, je vais acheter un bateau », mais que vous ne faisiez rien de différent, ben jamais vous allez l'accumuler, cet argent-là. Mais finalement, on n'a pas mis de côté nos sous pour le bateau. Exemple. Ma fille me regarde drôle. Donc, c'est un peu ça que je veux en venir. En fait, là, moi, pas que j'ai un nouveau projet. Là, en fait, dans les projets, dans les prochains projets, c'est sûr qu'on nous, on se mettait de l'argent de côté pour un voyage dans le sud cet automne. Mais là, avec la COVID et tout, je pense que ça va sûrement prendre le bord. On est vraiment, vraiment déçus parce que ça va faire 4 ans cet hiver. Ben, 4 hivers qu'on n'aura pas été dans le sud. Et à cause de nos essais bébés et tout ça, le Zika et patati patata. Donc, c'est ça, on trouve ça vraiment dommage. Mais en tout cas, moins que ça change, mais au pire, c'est sous-là qu'on va avoir mis de côté. Je continue pareil à en mettre à chaque semaine. Puis si jamais on y va pas cet automne, ben ça sera accumulé pour un prochain voyage. Sinon, dans les dernières années, en fait, depuis qu'on a acheté ici, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant, donc ça fait 3 ans en avril qu'on a acheté notre maison. Dans le fond, ça avait dit qu'on voulait faire notre salle de bain au sous-sol dans un délai de 5 ans maximum. Et on est pas mal sûr qu'on va faire le projet cet automne, ou du moins maximum cet hiver. Et c'est sûr que Abby, c'est aussi un nouveau projet. Dans un sens, ce que je voulais en venir, en fait, c'est un peu à ça. C'est qu'Abby, c'est pas tant un projet en soi, puis elle ne nous coûte pas vraiment très cher en ce moment. Mais en bref, si vous avez un enfant ou pas, là, c'est surtout si vous n'en avez pas là, que je vais vous parler de ça. Là, ou si vous êtes enceinte, ou si vous pensez peut-être avoir des enfants bientôt ou plus tard. Ça sera une info à savoir. Là, on reçoit des sous quand on a un enfant. On a des allocations familiales de la part du gouvernement du Québec et de la part du gouvernement du Canada. C'est pas un montant fixe par enfant. Ça va vraiment avec votre revenu. Donc, dans le fond, on calcule nos 2 salaires, à moi et mon conjoint, puis ensuite de ça, ils vont établir un montant pour nous aider pour l'année qui suit. Alors, au Québec, c'est un versement aux 3 mois.
Puis quand vous avez plus d'un bébé, ben vos montants vont augmenter en conséquence du nombre d'enfants que vous avez. Bref, tout ça pour dire que c'est zéro jugement là-dessus. Moi, je vous dis simplement ce que je pense faire avec ces sous-là. Mais vraiment, là, comme vous savez, je dis toujours mes choses comme je pense le faire, mais sans prétention et zéro jugement, vous le savez, là, c'est vraiment pas mon genre. Mais c'est juste que ça peut donner un peu une idée aux parents de quoi faire avec ça, mais tu sais, c'est vraiment personnel. On arrivait bien avant d'avoir un enfant, donc c'est sûr que tu sais, nous, les sous qu'on reçoit, on n'a pas besoin pour faire autre chose. Donc, on s'est dit qu'on allait vraiment garder tous ces sous-là pour elle. Et à ce moment-là, dans le fond, ce que j'ai fait, quand j'ai su que je ne voulais pas prendre ces sous-là pour faire mon épicerie ou autre affaire, ou d'autres choses, ben, c'est que j'ai appelé mon conseiller financier. Moi, j'ai un conseiller financier que je n'ai pas besoin de rémunérer en soi parce que c'est mon employeur là, qui nous l'offre, le service. C'est super. Moi, je l'adore depuis que je suis avec lui. Je trouve vraiment que je fais mieux mes affaires là, dans le sens que c'est pas juste un conseiller Desjardins qui va t'offrir des choses chez Desjardins. Notre conseiller financier, si je lui dis, c'est un exemple, mais là, un petit peu là, comme là, je voulais voir qu'est-ce que je pouvais faire pour comme investissement pour ma fille, bien, il va tout me sortir qu'est-ce qui est intéressant. Puis à ce moment-là, je peux aller avec n'importe qui. Donc, je ne suis pas obligée d'aller avec lui parce que lui, il travaille pour la capitale, mais je ne suis pas nécessairement obligée de prendre quelque chose à la capitale. C'est sûr que je voulais mettre des sous un peu pour ses études, mais je veux pas comme être obligée qu'elle soit, tu sais, si elle aille à l'université ou quoi que ce soit. Donc, on a ouvert finalement un REEE avec Industrielle Alliance parce que c'est le seul qui offrait un bonus en fait. Peu importe dans quelle institution financière vous ouvrez un REEE pour votre enfant, donc c'est pour les études. Dans le fond, quand elle s'inscrit soit à un DEP ou un cégep ou peu importe, là, il faut juste avoir une preuve ou le montrer, puis elle peut retirer les sous que vous avez accumulés. Dans le fond, le minimum qu'on doit mettre, c'est 25$ par mois. Et la seule différence, ah oui, puis ce qui est bien avec ça, c'est à chaque année, le gouvernement va donner un 30% de prime sur ce que vous avez cotisé dans l'année. Alors, si je prends l'exemple que vous mettez, mettons, juste le minimum, donc qui est 25$ par mois, ça vous fait que vous cotisez 300$ par année pour les études et le gouvernement va donner 30%, donc va donner à la fin décembre 90$, mettons. Et c'est comme ça à chaque année. Si vous avez recotisé un autre 300, il va remettre un 90$, etc. Mais le seul, ça c'est toutes les avec n'importe quelle banque ou caisse, c'est la même affaire. Cependant, le seul truc de plus qu'il y a l'Industrielle Alliance, c'est pourquoi j'ai été avec eux, c'est qu'à la fin, quand Abby elle va retirer ses sous, elle va même avoir un bonus de 15% avec Industrielle Alliance sur le montant total. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai été avec eux. Mais en même temps, moi, c'est lui qui fait ces recherches-là. J'ai pas besoin de le faire. Donc, lui, il va regarder n'importe où puis il va m'offrir le meilleur investissement possible. Sinon, on a décidé parce qu'on est quand même deux dans ces décisions-là, de lui payer une assurance vie permanente. Donc, c'est tant par mois. Donc, on met un montant là-dessus aussi. Donc, voilà. Donc, dans le fond, dans notre montant total par mois qu'on a comme allocation, on a décidé de mettre, c'est ça, un petit montant pour ses études, un petit montant pour son assurance vie. Et le reste, ben je vais le mettre dans un CELI. Bon, pardonnez-moi, justement, c'est mon conseiller financier qui m'a appelé. Regarde, ça va? Bref, c'est ça. Donc, j'ai aussi ouvert un compte CELI, comme j'ai dit. Donc, le reste de l'argent que je reçois, je vais mettre ce montant-là dans un compte CELI pour elle. Ça va être pour nos achats futurs. T'sais, comme là, elle ne me coûte pas grand-chose dans le sens que, comme vous savez, j'ai la chance d'avoir quasiment tous mes vêtements de mon amie et de ma cousine. Donc, tu sais, c'est pas au niveau des vêtements qui me coûtent cher, tout ça. C'est pas bébé, je pense que, tu sais, à part l'argent que je paye pour ses couches à date, là, ou, tu sais, des petits éléments comme ça, tu sais, c'est pas là qu'elle va me coûter le plus cher. Tu sais, le camp de jour, c'est les sous pour l'école, les sous pour, tu sais, ses sports à laquelle elle va être inscrite, des choses comme ça, ben, tu sais, je vais tout aller le prendre dans ce compte-là.
Donc, pour elle, dans le fond, là, toutes les dépenses par rapport à Abby vont se prendre là-dedans, dans tous les petits sous-côtés. Donc, ça, je suis quand même vraiment contente. Alors, voilà, c'était un petit peu mon petit saga là, que je vais vous parler par rapport aux allocations. Mais comme je vous dis, si vous voulez le mettre dans d'autres choses, ça peut être vos vacances en famille, ça peut les utiliser pour qu'est-ce que vous voulez. Mais moi, je trouvais ça important d'investir un peu dans son avenir, puis d'investir, puis d'avoir aussi des sous de côté pour elle, pour plus tard aussi. Hein, Abby? Mais comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez, puis je suis sûre que votre choix, ça va être le mieux pour vous et pour votre famille. Mais bref, alors c'est ça que je viens de faire là, pendant un petit bout, je vous dirais. Je pense que je vais manger mon petit dessert que je vous avais parlé tantôt, là, que c'est mon petit gâteau crème fouettée et framboise. Je m'en étais gardée de côté justement pour ce petit dessert. Je pense que je vais manger ça avant le souper. Ah, puis c'est vrai, je n'ai pas montré, mais j'avais reçu j'ai reçu mon cookie mardi. Et là, étrangement, je l'ai eu vraiment le mardi. Donc, dans ma boîte cette semaine, j'ai eu des pâtes croustillantes aux crevettes tout en un. Avec poivre, fenouil et épices cajou. Donc, ça ressemblait à ça. C'est vraiment spécial, là, comment faire cuire les pâtes. C'est comme on fait cuire les pâtes, on les rôtit dans le poêle, un bout, on fait cuire d'autres, les légumes un peu, puis après ça, on rajoute un peu d'eau. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, la façon que la cuisson est faite, ils deviennent, à la fin, ils sont encore un peu croquants. En tout cas, c'était vraiment bon. Mais sérieux, là, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, ne prenez jamais cette recette-là. C'est tellement épicé. Et je vous le dis, là, Félix et moi, on adore les choses épicées. OK, il vient de me rappeler, finalement, j'ai bien fait mes affaires. Puis c'est normal, il y a un petit délai, là, que l'argent est gelé, tout ça, là. Je me demandais un petit peu. J'étais un petit peu... au montant que j'ai transféré, j'espérais que ça soit correct. Bon, alors je reviens à mes recettes cookies. C'était vraiment, vraiment épicé, là. C'était comme une genre de pâte de tomate avec des épices cajun dedans, là. Puis, tu sais, il disait, mettons, que tu pouvais mettre toute la pâte. Il est marqué « Ajouter la pâte de tomate aux épices ». Puis, il est marqué en parenthèse « Épicé ». Omettre ou réduire pour les enfants. Une chose qu'ils mettent. Mais genre, j'ai peut-être mis le 3/4. Je ne l'ai même pas mis au complet, je vous jure, là. J'étais même pas capable. Ça me brûlait, là, tellement, là, c'était... vraiment bon, mais à cause de ça, c'était comme désagréable un peu à manger. J'ai eu de la misère à finir. Là, je mangeais une tranche de pain. J'aime vraiment pas le lait, puis j'ai genre pris 2-3 gorgées juste pour comme enlever le feu de ma bouche. Là. Ça avait pas de bon sens, mais c'était vraiment, vraiment bon. Mais mettons, je la reprendrais, là, la recette, mais en savoir que c'est vraiment épicé, donc j'en mettrais vraiment moins. La deuxième recette que j'ai prise, c'est une poutine à la bruschetta avec morceaux de popcorn chini frit. Donc, dans le fond, au lieu d'avoir du fromage en grains, c'est vraiment du bocconcini frit là, qui est frit avec comme la chapelure panko qui fait vraiment notre fromage. Et le dernier, j'ai pris le riz frit au poulet avec œufs brouillés, oignons rouges, carottes et pois verts. Ça, c'est le genre de recette que mon chum va triper. Il adore ça. Je lui ai dit, là, tout ce qui était riz, là, il tripe vraiment. Donc, ce soir, on fait une ou l'autre. Je ne sais pas encore. Je l'ai appelé tantôt. Il m'a dit qu'il avait pas vraiment de préférence. Moi non plus, je vous dirais. Mais là, je sais pas. Tu sais, vu que demain, on est vendredi soir, je pense que je me garderai la poutine pour le vendredi soir. Tu sais, ça serait comme plus, je sais pas pourquoi, là, festif. Là. Je pense que je vais faire lui ce soir. Mais ça se peut que je change d'idée. Hein. Je vais vous montrer mon petit dessert. Un coup, je vais l'avoir fait. Ouais, vous allez voir, ça va vous donner le goût. Oh, regardez comment ça a l'air bon! Donc, j'ai pris un petit gâteau Marianne comme ça. Donc, j'ai mis de la crème fouettée, garniture à dessert, sélection. Chut. Ma fille est assez réveillée, là, elle a faim. Je vais pas pouvoir manger ça tout de suite. J'ai mis vraiment un petit filament là, de Nutella comme ça, là, mon Nutella santé. Et aussi des petits filaments de sirop d'érable. Évidemment, des framboises. Ça va être succulent, les amis. À vous, je vous donne le goût. J'ai décidé de faire le riz frit au poulet que j'avais parlé tantôt. Alors, ça donne ça. Ça, c'est ma portion. Ça, c'est la portion à Félix.
Je me suis fait un petit vin rouge, vraiment pas tant, genre une petite affaire, j'ai peut-être bu une gorgée. J'ai vraiment juste un petit fond pour accompagner mon repas. Puis il en reste même là, quand même une bonne portion pour le lunch, je mets à Félix parce qu'il avait goût d'amener ça. Donc voilà, ça va être super bon. Et puis là, je vais vous terminer ça là. Ça a été un long vlog, alors comme d'habitude, je vous remercie de me suivre dans mon petit quotidien. Puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée!